Salut tout le monde, c'est GG. Aujourd'hui, une petite vidéo, un blister opening, des dernières trouvailles que j'avais achetées. On s'en rappelle, il y avait la Skyline, Mustang, Gotago, puis d'autres, hein, Hot Wheels. Je vais vous montrer de nouveau, grâce à mon. On va ouvrir quelques blisters. Un petit peu, hein, comme d'habitude, hein, on mouille généreusement avec de l'acétone. On mouille généreusement avec de l'acétone pour ouvrir les blisters. Pour sortir des bêtes, des véhicules, hein, tout simplement, quoi. Les bestioles. Des véhicules, ça je spritz un peu partout, c'est pas cool, comme d'hab. Donc là, on va ouvrir la Simpson. La Simpson hein, qui devrait s'ouvrir, hop, on va regarder, hein, c'est ouvert déjà. On va la sortir un petit peu de l'emballage. Voilà, donc le blister. Donc là, il est mouillé. Hein, on voit qu'il est, il est mouillé, hein, donc le U traditionnel. Quand ça sera sec, ça donnera. Voilà, là, celui-là il est sec. Donc j'ai sorti la Mustang du blister. Ben, de toute façon, on va regarder un petit peu la miniature en elle-même. Regardez, elle est vraiment très 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 jolie quoi. Une jolie miniature, une jolie couleur. C'est sympa, elle est bien finie, tout. C'est bien. Lucky, chut, ça suffit maintenant. Le chien, à chaque fois que je filme, voilà. Donc, la Mustang sortie de son emballage. Ce serait mieux si on avait un peu de lumière dessus. Alors, donc la Mustang sortie, j'ai sorti aussi la Volkswagen Käfer Momo, là. Käfer Racer, donc voilà à quoi elle ressemble. On va tapir un peu. Voilà, sympa, hein. C'est sympa, hein. C'est sympa. Donc, la Momo est sortie. Donc là, on vient de sortir La Simpson, hein, donc, voilà, superbe couleur, regardez, c'est magnifique. Voilà, elle est vraiment jolie, avec sa petite bosse ici, là, regardez, là, petit effet accident, comme la voiture mère, hein, donc, bien représentée. Donc, voilà, c'est... En très 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 jolie miniature, sympa, j'adore. Ça j'adore, ouais, ça c'est vraiment sympa et tout. Avec la bosse donc, qui est représentée aussi sur le blister. Hein, là, la bosse ici, donc est bien représentée sur la miniature. Je sais pas si on voit là, voilà, comme ça. Là, voilà. Donc ça va, super. Ça roule bien, c'est sympa. J'ai sorti donc la Skyline. Wouh! Oh là, elle a volé. La jolie bestiole. Donc voilà, on la voit bien. Voilà. Bon, bah désolé hein, pour les bruits de fond, mais bon, le chien, bon, il a décidé de faire un peu de bruit. Voilà. Donc, ça l'a ouverte. Alors, j'ai ouvert Gotago. Le Gotago, et en fait le Gotago, eh ben donc je vous l'ai dit que je vous montrerai. Donc il y a la particularité qu'il y a la lunette des toilettes qui s'ouvre, hein, comme ça. Hein, c'est les toilettes. Vraiment très sympa comme miniature aussi. Voilà, qu'on la voit bien. Hop, ça focalise. Voilà. Voilà, très sympa. Donc la lunette des toilettes. C'est original. Et alors ce qui est bien. C'est que quand on la fait rouler, et bien la lunette, elle bouge. Regardez,
Ah, un lunette de toilette qui se lève. Un système donc de. Système de petit retour là qui fait que quand les roues elles tournent, on te voit qu'il y a des petits crans sur les roues. Là, on voit un petit cran sur les roues. Et du coup, quand ça tourne, ça soulève la lunette des toilettes. Tout simplement. Alors, si. Voilà. Alors, si on roule vite, bien sûr. Ça peut sauter. Oh. Enfin bon, ouais. Voilà. Donc ça, super aussi miniature. Donc on va passer à l'ouverture de la Ferlandi. Ferlandi, hein, donc toujours avec de l'acétone. Acétone. Donc on trempe le pinceau dedans, hein, généreusement. On fait le U traditionnel. Ah, je vous le montre, voilà. Voilà. On imbibe généreusement. Voilà, voilà, voilà. On en remet une petite dose, histoire de. Hop. On va sortir la Ferlandi donc de son emballage. Pour voir un petit peu ce qu'elle vaut. Voir si bon, j'ai vu qu'il y avait un petit défaut de tempo dessus, mais bon, si elle tient bien dans la main, hein, tout simplement, si elle roule bien, s'il n'y a pas d'autres défauts, ça devrait s'ouvrir. Non, oui, non, non, ouais, hop, 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 hop là, hop. Donc le blister, il est propre, il est bien. La Ferlandi. Voilà. Sympa. De toute façon, je ferai les 360. Hein, donc. Voilà. Je ferai 360 pour montrer le 360 de la Ferlandi. Donc là, il y a un petit défaut de tempo. Là, ici. Je sais pas si on le voit. Là. Petit défaut de tempo. Là, ça me plaît pas trop. Je sais pas si je vais pas l'enlever, je sais pas. Voir si ça part à la salive des fois, ça se peut. Je sais pas. Bon, voilà, on va mettre ça. Il y a beaucoup là-dessus. Voir des fois avec de l'acétone, ça peut partir. Donc c'est pas sur du plastique. Bon, ça part pas. Ça part pas. Bon, c'est pas grave. Bon, sinon, elle est vraiment jolie. On va voir si elle roule. Ouais, ça roule. Hop là. Elle roule, on va essayer les autres. Hop, ça roule. Donc là. Ouais, attends, on va le faire. Ouh, ça doit faire dérapager. Hop là, ça roule. Donc la Mustang. Tout roule. Ça a l'air d'aller vite. Un momo. Pas mal. Ça, à mon avis, sur le circuit, va donner. On va passer à l'ouverture du Ford Truck Pickup de 56. Donc, on mouille encore le pinceau. Ouais, c'est une petite vidéo tranquille, comme ça. On ouvre des trucs, on regarde, on discute, on est ensemble. Salut tout le monde, hein, salut aux abonnés. J'espère que ça vous fait plaisir ce petit truc. Je pense à Polo qui aime les miniatures, hein, tout simplement. Hein, tout le monde collectionne les miniatures, donc ça, spécial pour toi. Hein, hop. Donc on ouvre délicatement. C'est ouvert, hop, blister, c'est beau, c'est propre. Alors, faut juste faire attention quand ça sèche et que ça se referme pas. Et là, celui-là, il s'est refermé. Alors, là, c'est con, hein. Alors, on va devoir le retremper un peu pour le rouvrir. Hop,
Ah, si possible, si vous avez un petit cure-dent, un petit truc. Bon, c'est pas grave. On les rouvrira après. Voilà. Alors. Ouais. Sympathique. Sympa, sympa, sympa. Ouais. C'est pas mal du tout. C'est propre, c'est sympa. Elle tient bien dans la main. La peinture est jolie. Jolie finition. C'est pas mal. Ça roule. On va pas la faire tomber. Hein. Voilà. Donc la suivante, cheville 55. On va voir ce qu'ils ont. Vous voyez un peu. Mister Opening. En direct. Voilà, toujours le même procédé. On ouvre, on va. Ça, on regarde les blisters corrects. Après, on peut la remettre dedans si on veut. Tout simplement. Pour le stockage, des fois, c'est plus simple. Voilà, ça. Parce que les blisters sont jolis quand même. On a une belle représentation de la miniature dessus. Donc, je vais tout de suite mouiller le deuxième aussi. On va ouvrir la Dodge Challenger. Voilà. Ça, tant qu'on y est. Je sais pas combien on est de lecture là. 11 minutes. 11 minutes, c'est le temps restant. 11 minutes, ouais. 11 minutes. À peu près. Hein. Bien sûr, je vais couper la vidéo de trois endroits. S'il y a besoin. Je vais me fâcher contre le chien. Voilà. De toute façon, ça fait partie de la vidéo GG. Il y a toujours le chien derrière. Voilà. C'est comme ça. Donc, hop. On ouvre. Ça s'ouvre. Donc, le blister de la cheville, il est ouvert. Fais attention aux autres, hein. Que ça se referme pas. Bon, celui-là il s'est refermé aussi. Celui-là il est en train de se refermer. Ah, la cheville. Alors la cheville, eh ben elle est magnifique. Elle est vraiment très jolie. Regardez là, ça donne vraiment envie. Elle est sympathique. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, hop, une cheville qui passe. Donc celle-là, hop, celle-là aussi, elle a séché, elle a eu le temps de s'ouvrir. On la sort du blister, hop là. Donc la Challenger, c'est pas mal du tout, hein. Regardez, c'est sympa. Ah, puis maintenant on a le soleil qui arrive. C'est bien, ça nous fait de la belle lumière naturelle, c'est sympa. Voilà. Ça roule bien. Voilà. Ouais, ça roule, c'est cool. Il n'y a pas de problème, c'est neuf, c'est cool. Donc je vais faire attention avec mes boîtes, hein, quand même. Alors ça, je vais enlever. Donc voilà, on va les présenter un petit peu sur la petite caisse devant moi. Je les présente pour la photo finish, entre guillemets. Hein. Donc voilà, le blister opening s'arrête ici. On va recadrer un petit peu pour voir un petit peu les miniatures sur la table. Je sais pas si on les voit. On les voit pas. C'est pas cool. Alors, je passe maintenant à l'envers du décor. Pour le finish, voilà, hop, là on voit mieux, on zoom, voilà. Donc le blister opening s'arrête sur ces miniatures. Et donc je vous dis, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.